Allez, c'est parti, visite de printemps. Sur cet essaim, alors j'y avais déjà mis un cadre ciré. J'avais déjà mis un cadre ciré, donc on va regarder s'il est bâti. Ah, elles ont réussi à passer là. Elles ont dû manger le plastique, elles ont réussi à passer. Ah oui. Ok. Je vais le sortir. Voilà, ça bâtit fort. Ça bâtit fort, donc je vais leur ajouter deux cadres et deux cadres à cirer. Et je pense que la semaine prochaine, je viendrai poser les os. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est un vieux cadre que j'avais gardé là, que j'avais laissé là au cas où, mais bon. Il va partir à la chaudière. À la chaudière ici. Allez, hop. Oui, je sais ce que vous avez envie de bâtir. Hop. Donc ça c'est. Un cadre que j'avais mis sûrement, que j'ai mis cette année, voilà, qui est déjà tout pondu. C'est même pas un cadre de. C'est un cadre de rive, mais qui est déjà tout pondu. Pour faire la visite complète. Cadre de couvain, ok. Pas de cellule royale. Voilà, les abeilles qui bougent pas. Ça, c'est beau, ça. Assez impressionnant. Voilà, c'est beau encore. Là, on peut voir, il y a une abeille qui fait une danse pour indiquer où c'est qu'il y a du pollen et du miel. Pour regarder ce cadre de couvain bâti au carré. Donc ça, c'est absolument... Ça, il faut absolument que la semaine prochaine, j'y mette une hausse. N'attendez pas. C'est blindé de couvain. Blindé de couvain. J'ai oublié mon petit seau pour récupérer. C'est pour ça que je la mets devant la ruche. C'est pas bien, mais j'aurais bien aimé voir la reine quand même. Je pouvais encore plus. Il va falloir que je fasse des essais. Aïe, pardon. Et donc là, je crois que ça, c'est un cadre. Là, c'est un cadre que j'ai mis à bâtir. Donc avec un peu de chance, la reine est là-dessus. Normalement, elle aime bien la cire. Les cires fraîches. Elle est là. Voilà. Elle est ici. Est-ce que vous la voyez bien là? Bon, ok. Et je vais y remettre un cadre. Je vais faire attention à elle. Hop. Je vais remettre un cadre à bâtir. Un autre là. Ça va trop vite, ça va trop vite. Donc ici j'en ai un qui est ciré qu'à moitié. Alors c'est pas fait exprès, c'est juste que quand je l'ai soudé, ben, ça s'est coupé à droite en vue.
Là, je vais essayer de pas abîmer la reine. Et voilà, hop, parfait. Du coup, est-ce que je laisse ce cadre là ou pas? Quelle tête il a celui-là? Parce que je prends presque le même à la place de la position. Je vais le garder parce qu'il est quand même pas si sale que ça. Bon, au final, il n'est pas si sale que ça. Donc, je vais le garder peut-être pour mettre dans un des essais. Le problème c'est que si je mets pas le plastique après, en fait elles viennent j'ai le nourrisseur qui est trop près des cadres, et après ça colle tout, et quand je lève le nourrisseur, je lève tous les cadres en même temps. Donc ça me plaît pas trop. Bon, c'est cool, j'ai récupéré un cadre. Bon, mais voilà, je pense que la semaine prochaine on mettra une hausse à mon avis. On n'aura pas le choix.